Salut à tous et bienvenue dans cette partie où nous allons commencer à mettre en place la responsabilité de notre site. Ici, je suis placé sur le projet que j'ai conçu avant le début de cette formation. Et si j'ouvre l'inspecteur d'un côté du navigateur, comme vous voyez ici, vous allez vous rendre compte que quand je commence à redimensionner l'affichage de l'écran, à un certain moment, il y a ces liens qui disparaissent et ils commencent à apparaître par ici. Et ces liens, je peux les faire partir et réapparaître à partir de cette icône. Cette icône, je l'ai gérée en JavaScript. Je vais vous montrer comment on fait. C'est relativement simple. Je vais vous expliquer les lignes et ça sera le seul code qui y sera. J'aurais pu mettre un deuxième JavaScript pour pouvoir faire sortir les liens qui sont au niveau du blog ici. Mais comme cette formation n'est pas consacrée à JavaScript, je ne vais pas le faire directement. Si vous voulez que je le fasse, vous n'aurez qu'à me le préciser dans les commentaires et je vais implémenter cette fonctionnalité pour vous. Donc ici, on peut recacher les liens et vous allez vous rendre compte que plus on descend, plus les éléments de la page changent. Tout se calibre normalement, les boutons se calibrent, les articles qui étaient trois sur une ligne se placent désormais une seule sur une ligne, les mentors également se placent une seule sur une ligne et les articles qui sont en dessous se placent les uns en dessus des autres. C'est en fait ça le concept qu'on va implémenter ici. Vous avez vu qu'au niveau du footer aussi, les liens se sont placés et les autres liens sont placés juste en dessous. Les liens vers les réseaux sociaux sont venus se placer en dessous. Et si je commence à réagrandir ma page progressivement, vous allez vous rendre compte que là, les liens se placent comme ils étaient placés initialement. On va remonter ceux qui sont toujours placés les uns à la suite des autres, les uns en dessous des autres. On va redimensionner et arrivé à un certain moment, vous allez vous rendre compte qu'ils se placent comme ils devraient se placer. Il en est de même. Si on redimensionne en diminuant, vous allez voir que désormais on a deux mentors les uns à la suite des autres et les deux autres en dessous des deux premiers. C'est le concept qu'on va implémenter ici. Vous devez également savoir qu'à partir de votre navigateur, vous pouvez simuler un téléphone. Ou alors une tablette, bref, un appareil mobile. Et c'est cette icône qui se trouve ici. Si vous cliquez sur cette icône, vous allez vous rendre compte que ça crée cette petite fenêtre qui vous donne les dimensions à laquelle vous êtes. Et ça vous précise ici, responsive. Donc, ça vous donne les dimensions à laquelle vous êtes et vous pouvez même tester en fonction de certains appareils pour voir comment ça fonctionne. Ce sont des simulateurs en quelque sorte. Pour ma part, je ne vais pas entrer dans trop de détails et généralement, je n'utilise pas ces émulateurs de téléphone. Je travaille uniquement avec ça. Et puis après, pour être sûr vraiment que ça fonctionne comme ce qu'on voit ici là, il faudrait tester dans le téléphone et vous allez faire les recherches pour voir comment ça fonctionne dans le téléphone. On ne va pas aborder cette partie dans cette formation. On va s'arrêter là dans cette partie. Je voulais juste vous présenter comment la responsivité sera. Si on vient regarder dans notre projet et que je réduis également l'écran, quand je redimensionne, vous allez vous rendre compte que tous les éléments ne font que se compresser. En fait, il n'y a aucun élément qui se comporte de façon responsive. Donc, on va travailler sur ce projet. Et on va faire en sorte qu'il soit exactement comme celui qu'on a de ce côté. On va se retrouver dans la prochaine partie. Et dans cette partie, on va commencer à implémenter la responsivité proprement dite.